Allez, let's go. Rebonsoir, me revoilà. On est parti pour du The Witcher. Alors attendez, je vous rebalance le son. Tout est bon normalement. J'attendrai d'avoir le retour sur mon téléphone. On verra bien, mais normalement tout devrait être bon. Alors. Ouais, tout est bon. Vous vous rassemblez Ouais, devant voilà. moi, Je sais pas si vous avez affamé, entendu. Je me terrifié, suis entendu, voilà. serrant votre marmaille contre vous. L'empereur Émir et ses légions ont envahi nos terres, assiégé chaque forteresse d'ici aux montagnes bleues. Chaque jour, l'empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre. Vos rois ont failli. Et maintenant, vous vous Excusez-moi. tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la En fait, tête je de suis pas sûr que cendres. ce soit celle-là Au lieu de qui a ça, vraiment vous du sens. gémissez. Pourquoi les Bon, dieux nous déjà, je ont-ils vais sortir la abandonnés? manette. La réponse se trouve Allez, chut. C'est là qu'il faut lire, dans qu'il faut sa quête de attendre. Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Geralt apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. Voilà. Alors, dites-moi surtout s'il y a des problèmes de niveau du jeu, niveau de la capture vidéale. Hein. Dites-moi si c'est bien, si c'est pas bien. Donnez-moi un retour, s'il vous plaît. Parce que le jeu, là, il bouffe certainement beaucoup plus qu'Outlast. Donc, du coup, voilà. Si possible, faites-moi un retour et dites-moi. Si tout va bien, parce que moi j'ai pas les yeux constamment sur le stream. Donc là, du coup, en fait, ce qui va se passer, enfin, je vais déjà vous expliquer ce qui Dommage s'est que je sois trop passé à la petit. fin. C'est que, comment vous dire? On est venu nous chercher dans l'ancienne ville, je ne me rappelle plus du nom. Attendez, je vais vous dire ça. Mais je veux pas le palais royal, carte du monde. Blanchefleur. C'était ici que j'étais. Voilà. Donc on est venu me chercher gentiment à l'auberge de je ne sais où. Je sais plus où c'est l'auberge, mais c'est quelque part par là. Oui, ça doit être quelque part par là. Enfin bref, voilà. On est venu nous chercher là et toute l'armée elle est venue. Et voilà quoi. On nous a emmenés au royaume parce que le roi Émir Varenne Reis Un Vedémine, de tout droit Nilfgaard, sorti des contes il veut nous nordiens, parler quoi. c'est inconcevable. Du coup on s'est fait pouiller, on s'est fait raser, enfin tout ça. Et même habillé. Et du coup là le gars il va nous emmener. Et on Faire un dit que petit l'habit coucou ne fait quoi. pas le moine. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? J'essaye de remettre le truc, le contexte un petit peu. Parce que là, je vais pas pouvoir beaucoup vous parler. Je vais beaucoup vous laisser écouter pour que vous compreniez l'histoire. Voilà. Mais oui, de toute façon, on n'a pas le choix, c'est de la merde. Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. La Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du nord et du sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence.
Mais oui. Allez. Je vous écoute. Mais oui, allez. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. C'est celle-là, du coup. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un ordien. Suivez-moi. Alors, on est reparti. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle et en utilisant le titre approprié. Quoi ? Votre archi-magnificence ? Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcez d'une voix forte et intelligible, avec respect. Imgrimi ep arderzer, des winadan in karn ep morvud, emir var embreis. Révérence. Je suis désolé, mais moi je m'en fous. Hein, ouais. J'ai bien voulu te faire plaisir, mais maintenant c'est bon. Votre majesté impériale. Arerep to horde. Evelien namin vadgelm vavort. Ah. On va parler. Tu sais bien que je peux te tuer. Poussez-moi à passer la cour de Foltest et vous ne maîtrisez toujours pas les rudiments de l'étiquette ? Vous connaissez le dicton. Ce n'est pas un vieux loup qu'on apprend à faire la grimace. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors, Silence. Ah d'accord, le mec il me dit ta gueule. À ma fille, Cyrilla. Calme-toi. Elle est revenue. Et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la-moi. Alors, pour ceux qui ne voient pas, Ciri, c'est la fille qu'on voit au début, dans le... au tout début, dans son rêve. Enfin, voilà. Pour ceux qui ne voient pas, allez voir les VOD. Sur YouTube, Sky Coca Multigaming. Vous êtes sûr ? Ciri est partie très, très loin d'ici. Pensez-vous vraiment que je perdrai mon temps à vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur ? Même un empereur peut se tromper. J'avais oublié votre insolence. Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre, ni l'envie d'ailleurs. Yennefer s'en chargera après l'audience. Alors pourquoi moi ? Combien d'hommes compte votre armée ? 20 000 ? 30 000 ? Pourquoi faire appel à moi ? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'état, comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûr. Ah bah j'espère bien, copain. T'as intérêt de me payer, hein. J'ai besoin d'informations, pas de motivation. Ciri sait cacher ses traces. Elle ne sera pas facile à trouver. Mes espions vous aideront. Vous pouvez compter sur eux, ainsi que sur mon armée au besoin. Yennefer vous dira le reste. L'audience est terminée. Meririd. Conduisez-le à la magicienne. Let's go!
pardon. Excusez-moi. Monsieur n'a-t-il donc pas compris ? N'ai-je pas suffisamment insisté sur l'importance de la révérence ? Calmez-vous, tout va bien. Pour monsieur, peut-être. Mais moi, je vais être puni. Comment ça ? Je vous en prie, suivez-moi et ne faites pas d'histoire. Vous m'avez attiré assez d'ennuis pour aujourd'hui. Silence. Oh, bonhomme. Savez-vous qui je suis, soldat ? Je suis Erevar II, prince des Lander. Qu'est-ce que ça donne le son? Il n'y a pas quelqu'un pour me lire le son, s'il te plaît? Non, lui, je vais aller lire. Monsieur aura tout loisir de s'y promener plus tard. Quel j'ai pas envie d'avoir le nom. Tête à ta gueule, la dernière fois, c'est lui qui nous a fait les questions. Puis-je vous interrompre? Par rapport bien sûr. À The Witcher pourquoi ne pas nous rejoindre ? Nous discutions de la neutralité et de la difficulté à la préserver. Ah ben ça... C'est un sujet que je connais bien. Expliquez-vous ? C'est toujours la même chose. J'essaie de ne pas me mêler des affaires des autres, jusqu'au moment où l'on me convoque pour me faire une offre que je ne peux refuser. Mais assez parlé de cela. Je peux changer de sujet ? Bah oui. Voilà. J'ai parlé à l'empereur. Bien. Et que voulait-il ? Ah. Vous n'avez pas été mis dans le secret ? Non. J'imagine qu'il s'agit d'un banal contrat de sorceleur. Mmh. Oui. Une histoire de marmottin. Au revoir. À bientôt. Ça marche, merci. C'est très aimable pour leur tour. Je vois la vidéo, elle a l'air pas mal aussi, ça. Gwyn Ar, Dvegladiven. Seten vat gern Geralt. T'as entendu parler de la brigade Briette? Elle était composée de ceux de ton espèce. Les non-humains. Engar Breyes, Klempen, et Nord. Quand monsieur aura terminé, je me chargerai de lui remettre ses affaires. On va voir s'il n'y a pas des gens là-dedans. Essayons de l'être maker. Oui? Non, je vois. Ok, tant pis. Nous n'avons pas besoin d'escorte, ah monsieur. Nous n'avons pas besoin d'escorte, monsieur. Tu vas vite te calmer, tu vas descendre d'un ton. Bon ben. Quand monsieur aura terminé, je me chargerai de lui remettre ses affaires. Voir, là. La plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui compte. Bon, allez. Geralt, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Ah là là, Geralt, il a toujours une boussole. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venu à la cour d'Émir. Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenu. Émir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Effectivement. C'est fou ce qu'elle a grandi. Oui. Tant d'années ont passé depuis Kaer Morhen. Eh bien, les choses ont changé. Tu n'as pas changé, toi. Et tes compliments maladroits m'ont manqué, tu sais.
Mais concentrons-nous plutôt sur Ciri. Oui. Emir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... Je pensais être plus maligne que... Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Emir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Geralt. Retrouve-la avant la chasse sauvage. Alors, la chasse, pourquoi en a-t-elle apprécié lui? Aucune idée, Geralt. J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question, mais je n'ai pas leur adresse. Je n'en sais pas plus que toi. C'est sans doute en rapport avec son sang, son talent. Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent, honnêtement, je préfère ne pas y penser. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs. Rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Mm-hmm. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Une dernière chose. Dans la gueule. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter? Tu ne voulais pas me voir? J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Triss. Je ne voulais pas gâcher la fête. Yen, j'avais perdu la mémoire. Vraiment? C'est ça ton excuse? N'en parlons plus, d'accord? Ce n'est pas ce que tu crois. Ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime. Je n'ai pas envie d'entendre tout ça. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... Le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval, dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va à ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec les émirs, va voir l'ambassadeur Var-Atr. C'est lui, là-bas. On va aller faire Geralt, un petit tour. Je sais que c'est la guerre, mais... Ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. Mmh. Oh bah, je croyais qu'il fallait plus utiliser des méthodes plus traditionnelles. Bravo. Belle mentalité. Tout droit sorti des contes nordiens. Ambassadeur Var-Atr. Yennefer m'a conseillé de venir vous voir pour en savoir plus sur la guerre. Et tout le reste. Bien sûr. Entre serviteurs de l'Empereur, l'information doit circuler librement. Venez, approchons de la carte.
Où en est la guerre? En dehors du fait que la victoire du Nilfgaard est imminente, bien sûr. Tout ceci reste entre nous, d'accord? Je compte sur votre discrétion. Mettons la propagande de côté pour un instant. La campagne se déroulait à merveille, jusqu'à l'arrivée de l'hiver. La conquête d'Aedirne avait été une promenade de santé, et nous avions atteint le Pontard avant les premières neiges. Les seuls royaumes à se dresser encore devant nous étaient Kedwen, terriblement affaibli, et la Redania de Radovid, qui s'était tenue à l'écart du conflit. Sûrs de notre victoire, nous avons décidé d'attendre le printemps. Vous pensiez soumettre Radovid? Oui, nous avons été un brin optimiste. Radovid n'a cherché ni la paix, ni la guerre avec le Nilfgaard. Au lieu de cela, il a traversé les monts Kestrel et attaqué Kedwen, son allié. L'attaque a pris Kedwen au dépourvu, d'autant plus que son roi venait de mourir. L'armée a rendu les armes après quelques escarmouches et s'est ralliée à Radovid. Et voilà comment, au lieu de deux ennemis faibles, nous devons faire face à un ennemi puissant. C'est de l'admiration que j'entends ou je rêve? Radovid est notre ennemi, mais c'est un ennemi remarquable. Il s'est joué de nous avec une facilité déconcertante. Pour en revenir à la guerre, une bataille a eu lieu ce printemps dans les marais de Velen. Une bataille majeure, mais à l'issue indécise. Les deux camps ont subi de terribles pertes. Radovid a battu en retraite de l'autre côté du Pontard. Pour l'instant, il est en sécurité. Mais des renforts arriveront bientôt du sud. L'empereur Émir Varemraïs pourra alors lui régler son compte. Vous ne pourriez pas rentrer chez vous bien tranquillement? Ça éviterait bien des manœuvres, sans compter les morts inutiles. Les enjeux sont trop grands, j'en ai peur. Nous ne pouvons plus reculer. Aïe, aïe, aïe. Quelle est la situation à Velen? Mauvaise, comme toujours. Très mauvaise, même. La région était déjà sinistre avant la guerre. Mais aujourd'hui, elle baigne dans le sang. Les armées ont rasé les champs, pillé les greniers et incendié les villages. Le peuple meurt de faim. Et vous arrivez à contrôler ce petit coin de paradis? Pour tout vous dire, pas vraiment. Velen est une région marécageuse et sauvage, et nos forces sont éparpillées. Nous avons perdu plus d'une patrouille. Nous avons donc temporairement délégué notre autorité à un certain Philip Strenger, un ancien officier nordien de l'armée témérienne. Il est plus connu sous son nom de guerre, le Baron Sanglant. Un petit conseil, évitez-le. Le Baron Sanglant. Je retiens, faut y... Des nouvelles de Novigrad? La ville est toujours libre? Oui, et ça ne durera pas. Radovid est à Oxenfurt, et l'Empereur est ici, à Vizima. Tous deux sont aux portes de Novigrad, et tous deux ont besoin d'argent et de navires, qu'on trouve en abondance à Novigrad. Ceci explique pourquoi l'atmosphère en ville est aussi, disons, tendue. C'est-à-dire? Quand les hommes ont peur, ils cherchent du réconfort et des boucs émissaires. L'église du feu éternel l'a bien compris. Elle rassure le troupeau en désignant des coupables. Qui a commencé cette guerre? Qui en tire profit? La réponse est évidente. Les mages, les elfes et les nains. En un mot, les déviants. Je suis en poste à Novigrad depuis 13 ans. D'abord comme consul, puis comme ambassadeur. La cruauté, le cynisme et l'avidité ne me sont pas étrangers, mais je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Eskelige, qu'est-ce que ça donne? Quoi de neuf, Eskelige? Rien. Sur les îles, tout est fait dans le plus grand respect des traditions ancestrales. Génération après génération. Les insulaires se querellent, pillent et attaquent nos transports. C'est pénible.
Mais cela ne va pas plus loin. Skellige s'est toujours tenu en marge de l'histoire. Et il en sera toujours ainsi. Eh ben tant mieux. Vous avez l'air bien sûr de vous. Et si le roi Bran parvenait à unir les Jarls, à coaliser les clans contre votre flotte? Le roi Bran est un vieillard décrépit. D'après mes informations, il peine à se souvenir du nom de ses vassaux. Dans ces conditions, les unir sera pour le moins difficile. Aïe, aïe, aïe. Merci de votre aide. Je vous en prie. Puisse le grand soleil éclairer votre chemin. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Allez, chut. Tais-toi, Google, tu n'existes plus. Excusez-moi. Oui, Geralt? Vous désirez? C'est bon, j'ai tout fait. Pardon. Bon. Merci. Je vous en prie. Bon. Non, on doit aller voir le chambellan pour aller récupérer nos affaires, on va dire. Donc c'est ce qu'on va gentiment aller faire. Monsieur, comment puis-je vous servir? En me rendant mes affaires. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. Bon, inventaire. Épée en argent. Épée en acier, épée en acier, tronche. Mettre ça déjà, ça aussi. On va devoir tous rééquiper. Bottes de chasse. Ah, c'est quand même mieux. Evelyn Doras, elle est perdu les fesses. Aïe. Est-ce que c'est très gênant ou... Ou est-ce que ça peut durer comme ça? Parce que je sais pas, je regarde pas assez les streams pour voir les pertes que j'ai. Dites-moi si c'est vraiment gênant, je redémarrerai en vitesse. Je rebaisserai, je baisserai la résolution, je laisserai. Je me débrouillerai. Essaye Andra, met mes cœurs. Ouais. Oh, un Gunther. Je vais faire une partie de Gunt. Ouais, on va faire une petite musique. Je ne dirais pas non à une petite partie de cartes. Dites-moi, est-ce que c'est vraiment gênant, sinon... Sinon, ça passera pour ce stream, sinon... Il faudra que je relance. Modifier chef. Bon bah j'ai que lui. Bon bah ça me paraît bien.
Alors ça, c'est les... Voilà. Les combats rapprochés, ils tombent à 1. Ouais. Ça m'est pas bien parce que... Oui, on va passer le tour, de toute façon on va perdre. Autant économiser. Hop, je cale ça, j'ai gagné une manche. Je sais pas pourquoi il a passé. Ouais, on voit. Alors, je sais plus c'est quoi pour Il y en a un, c'est pour des armes de siège. Ouais, ça c'est pourquoi? Combat à distance. Faut que je vois si ça marche. Non, ça ne marche pas pour ça. Ouais. Ça ne va pas bien. Ah ouais, bah là, je suis pas bien du tout. C'est comment qu'on fait? Comment je fais pour la capacité de ma carte? Ah oui, bah oui. Abandonner cette partie. Ouais. On va refaire une autre, moi je te le dis. Je ne dirais pas non. Du coup, niveau des paires de FPS, dites-moi si c'est vraiment très très gênant. Si c'est très souvent, moi je fais quelque chose et puis. Mais ça sera certainement plus agréable à regarder, je sais pas. Mais... Bon. Ouais, on va te. Je tire deux quarts de mon jeu. Ok. Ah, ça donne un brouillard, putain, quelle tristesse.
Enfin, c'est les sièges. Ah, mais c'est lui le brouillard. Ah, ça c'est bien. Je crois que je suis un peu en train de tout claquer pour... Oh non... La tristesse... C'est exactement ce qu'il me fallait. Tellement triste. J'ai joué toutes mes cartes en plus. Ouais. Je ne dirais pas non à une Allez, petite. On s'en fout, ouais. J'aimerais bien le battre parce que ça me donnerait des nouvelles cartes déjà. Parce que bon là c'est pas fou. Donc froid mordant, brouillard impénétrable, santé. On peut garder ça, on protège aussi. On parlerait pas trop mal. Mettre ça. Voilà. On commence avec ça, ça me va pas trop. Bientôt augmenter un peu beaucoup, je crois. Il a une avance sur moi déjà. Mm-hmm.
Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de stream ASMR. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Oh, j'aimerais bien le battre un peu, lui. Ce serait bien sympathique. Je ne dirais pas non à une petite partie de carte. Je perds tout mon argent. Alors, brouillard, ça, on s'en tape en vrai. Commandant des stribles. Fantasor, demeure. Ouais. On verra bien. J'ai une idée. Essaye, on va tenter un autre truc en fait. On va changer des cartes et on va en mettre moins déjà. Je ne dirais pas non à une petite partie de cartes. En vrai, les brouillards impénétrables, j'en ai besoin que d'un. Ça me paraît mieux déjà. C'est bon, carte unité est insuffisante. C'est bon aussi. Dégage un temps. Ça. Alors, partir comme ça, je pense. Et c'est maintenant que je le tue, parce que j'ai le froid mordant. Voilà, maintenant je passe. Et j'ai pas utilisé beaucoup de cartes techniquement, et c'est ça qui est bien. Désolé, la démo pour la... avec la fourchette, c'est pas pour moi. Tu m'excuseras. Mais... ce n'est pas pour moi.
Non, c'est le Gwent dans The Witcher 3. Voilà, voilà. Ça, c'est quand même pas de chance. C'est pas grave. Je vais le bait encore comme tout à l'heure. Là, il croit qu'il est largement au-dessus, il balance bah, deux froids mordants d'affilée. Sauf que moi, ben, j'attends qu'il passe. Là, j'ai mis toutes mes cartes. Là. Là, j'attends vraiment. Dernier moment. Et là maintenant, c'est le moment de voir. J'ai plus de cartes moi de toute façon. Ah non, il gagne. Ah, je suis tellement triste. Ah non, je peux encore faire ça. Mais oui, je pouvais encore faire ça. Alors le tout. Ah bah non, bah, il gagne. Il gagne. C'est contre Anya. Et là, je n'ai plus de cartes, donc du coup, il a gagné. Et je vous jure que je vais pas arrêter tant que j'ai pas battu. Jamais je m'arrête. Hein. Je ne dirai pas non à une petite partie de cartes. Jamais je me laisserai avoir par un putain de bière. C'est mort. C'est mort. Hop là, allez à l'attaque. Moi je m'en fous, hein, j'y retourne. Alors ça, ok. Qu'est-ce qu'on peut être un brouillard impénétrable. Ah là, ça me paraît bien là ce qu'on a. C'est pas très 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 mal. On est apprécié quand même. Donc, la même chose. Là, on va s'amuser. Donc là, ils auront 4 déjà. Donc là, j'ai 5 moi. Vu que je vais caler mon brouillard. Donc là, il a 8 cartes, on est 8. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les jouer intelligemment. Je vais mettre ça. Lui qui fait 1, il fera toujours 1 avec le... ça m'énerve en fait de faire ça comme ça. Tant pis, vas-y, bon. Pas m'obliger à jouer toutes mes cartes. Non. D'accord. Bon, ben, s'il va m'obliger à jouer toutes mes cartes, c'est enfin. Eh oui. Ça existe effectivement. Allez! Ah ouais, bah du coup je vais perdre de toute façon. Là je mets 6. Voilà, je peux passer mon tour maintenant. Note il a 4 cartes, moi j'en ai une. Ah voilà. Allez, ça craint.
J'aurais dû mettre la flotte en fait, vu que j'ai pas de siège. Là il a 5, moi j'ai 5. Voilà. Il remet un mec, c'est fini, c'est la vie. Quelle tristesse. On va passer. On va voir ce que ça dit. Ça se trouve, ça sera peut-être une égalité. What? C'est lui qui a... Celui qui a gagné, c'était égalité, ouais. Là. C'était l'égalité. C'est l'égalité. Je ne dirais pas non. Je me suis fait canel par le jeu. Mais c'est quoi ces conneries? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi gagner. Mais non. S'il vous plaît. Le brouillard, on s'en tape. Froid mordant, c'est bien de l'avoir. Ça, c'est pas mal. Ça, en vrai, on s'en fout. Ah putain, on a eu deuxième clé. Ça, c'est pas ouf, quoi. En vrai, je pense que je vais faire ça. Comme ça, j'ai 11 cartes. D'accord, donc il a récupéré ma carte apparemment. Donc 3. On va mettre ça. Là on pourra caler un brouillard. C'est l'adversaire. Là, je sais pas, est-ce que je passe vraiment ou est-ce que je passe pas? Ouais, je vais passer. On va voir s'il passe ou pas. Ouais, c'est bon. C'est moi qui vais passer. Pas très très envie de s'amuser le monsieur en tout cas. Ouais, mais le problème c'est que je suis obligé d'y aller. Voilà, il y a encore égalité, c'est encore moi qui perds là. Ouais. Il y a un problème hein, dans ce jeu, franchement, il y a je un ne dirais pas non à une petite partie de cartes. Ouais, ouais, ouais. Ça fait bientôt quelques années que là, je suis sur la sur le paquet de cartes. Là, c'est triste, j'ai pas beaucoup de cartes. Commencer la partie. On va commencer la partie.
Alors ça. Un tèche plus torrentiel. Et brouillard. On va se la jouer comme ça. Ouais, donc c'est bien ce que je pense, c'est le gars il y va quand même pour Ah, je vais tryhard, hein. Je vous jure que je vais l'avoir ce mec, hein. Ça me rendra peut-être fou, mais j'y arriverai. Allez, t'as plus de cartes très fortes, allez s'il te plaît. D'accord. Et aussi, vas-y. Ok. Calme-toi. Putain, c'est con. J'y suis pas loin à chaque fois. Je suis vraiment pas loin. Ouais. Même sort des cartes avec des effets que moi j'ai pas, ben, et puis du coup. Je ne dirais pas. Normal, j'ai un paquet de cartes pourries. Vas-y, hein. Donne-moi tes cartes et puis on verra. Hein. Mais je vous jure que je le battrai lui. Hein. Oh là, par contre, j'ai un beau gros combo comme ça. Le brouillard impénétrable, en vrai, je m'en tape complètement. Je vais faire ça. Hop, hop. Là, je trouve, j'aime beaucoup la main que j'ai. On va se la jouer gentiment comme ça. On va balancer sur le front. Donc. Voilà. Donc il a 8. Voilà. Il me manque 1. Je suis à 19 et lui il serait à 20.
Et c'est là que... C'est là que ça va être terrible, je crois. Bon, je gagne quand même la manche. Bon. Voilà. On va essayer de faire ça correctement. Allez, faut espérer que là je puisse gagner parce que s'il me sort une légendaire là c'est bon, calme-toi. 3, 6. Ah là là, j'ai gagné! Ça y est, j'ai enfin gagné! Oui! Oui! Pardon. J'ai vraiment gagné 10 thunes. Tout ça pour ça, putain. J'ai entendu parler de la brigade Briette. Elle était composée de ce ton espèce. Les non-humains. On va repartir tranquillement. Salut. Neshen has grain. Et donc le voyage rapide se fera avec la pause, après la pause. Donc voilà. Du coup c'est la pause. Et du coup, je reviens dans 10 minutes. Comme d'habitude. Alors OBS. On passe sur cette scène. Je vous pose tranquillement sur une petite musique très sympathique. Et on se retrouve dans 5-10 minutes. On verra. On reprend à... Allez, 23h10. 23h10, c'est nickel. Je vais essayer de redémarrer mon OBS en même temps. Histoire de faire les réglages son. Enfin, les réglages son, les réglages FPS. Voilà. Je reviens. À toutes!